l'obstacle pour moi, c'est la rage d'une communauté qui avait soif de changement pour les citoyens et citoyennes qu'on a trop souvent laissés de côté, ceux qu'on a carrément exclus de l'espace public. Et cette rage est partie d'une tragédie, la mort de Freddy Villanueva, tombé sur les balles d'un policier à Montréal-Nord. Aujourd'hui, l'obstacle, c'est ces gens-là, ces êtres humains-là, comme moi, qui a décidé de se rassembler et de créer des espaces inclusifs, des espaces de réflexion, mais également d'action, pour voir de quelle façon qu'on pourrait façonner, changer et améliorer notre société. Parce que le Québec a un nouveau visage et c'est le temps qu'on le reconnaisse.